Voilà, les amis internautes, nous avons regardé là. C'est camion, c'est là. Nous avons regardé qui continuait à quitter les pays voisins, rempli de marchandises. Faut que nous avons rempli les produits dominicains. Ils ont sorti jeudi samedi 4 novembre 2023. Pile vraiment camion à quitter le territoire pays voisin pour que yo vini sur le territoire pays d'Haïti. Les amis internautes, nous avons regardé là, c'est vraiment en pile cocoyer cap sorti sur le territoire voisin. Donc, cocoyer vraiment en pile. Chaque bourrette censé gagner plus passer 6 sacs cocoyer. Chaque bourrette. Bon, voilà, on a regardé ça, lui-même qui gagne 7 sacs cocoyer. Il y a plusieurs machines, et bien, cap sorti sous territoire pays voisin. Nous, en face marché frontalier de Wanamet, et bien, on a regardé là, c'est valet marchandises, spécialement cocoyer, que l'autorité locale a saisi. Nous, c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean Lia. Voilà, les amis internautes, nous avons regardé là. C'est camion, c'est là. Nous avons regardé qui continuait à quitter les pays voisins, rempli de marchandises. Faut que nous avons rempli les produits dominicains. Ils ont sorti jeudi samedi 4 novembre 2023. Pile vraiment camion à quitter le territoire pays voisins pour que vous veniez sur le territoire pays d'Haïti. Les amis internautes, nous avons regardé là. C'est vraiment en pile cocoyer cap sorti sur le territoire voisin. Donc, cocoyer vraiment en pile. Chaque bourrette censé gagner plus passer 6 sacs cocoyer. Chaque bourrette. Bon, voilà, nous avons regardé ça. Lui-même qui gagne 7 sacs cocoyer. Il y a plusieurs machines. Eh bien, cap sorti sur le territoire pays voisin. Nous connaissons déjà jeudi samedi 4 novembre là, et directeur ministère et commerce et industrie a déjà annoncé que il a pas accès pour permettre et bien haïtiens qui gagne machine qui territé sur territoire pays voisin rentrer bien à moment là nous déjà ouais et machine yo cap vini donc il a quitté territoire pays voisin là pour yo vini sur territoire pays d'Haïti. La regardé, c'est vraiment une ligne qui est déjà là, donc qui a et bien vini sorti en République dominicaine. C'est pour marchandise et puis nous a cloué barrière jusqu'à ce que décision nous respecte. C'est ça qui est important. Et nous avons une tête camion qui prend en direction dominicaine, ça va faire. Dans quelle condition là? Camion yo te gétan cloué, tête camion yo te sorti déjà. Donc tête camion yo, c'est camion yo va le chercher. C'est camion qui là depuis 2 mois. Tête camion yo va le chercher pour sauter avec yo. Et nous un camion a sorti là yo rempli marchandises depuis 2 mois. Alors gen camion qui gen marchandises là dedans depuis 2 mois. Comme ça tout gagne qui pas gagne, ou après qui sorti vide, gen qui a sorti avec les marchandises. C'est ça qui fait que nous toute autorité nous font task force pour demander à ce que moun pas à l'acheter jodi an. Parce que nous n'avons pas accepté que les frontières soient ouvertes tout autant que nous n'avons pas respecté la décision. Nous avons plusieurs bourrettes avec sa cocoyer. Est-ce que vous avez alors, c'est un groupe de monde qui a profité de sortir avec cocoyer et même avec des délégués. Nous avons décidé déjà qui a traversé le Kembeo. Les délégués ont dit que nous allons brûler. Et nous avons fait une bonne quantité de retourner. Parce que nous n'avons pas accepté que nous allons acheter. Ce n'est pas frontière qui ouvre, c'est couloir nous créer pour machine qui l'a depuis 2 mois, yo, yo capable de traverser. Alors, est-ce que nous possibilité de machine qui ça ou nous sorti là? Est-ce que c'est machine qui sont sortis dans la machine binationale ou bien machine qui est non, les Abinadel te prend décision pour fermer frontière, tu as gagné un groupe de machine qui était déjà en dedans avec machine qui t'a pas acheté. Et la machine ça a été fermée en dedans depuis 2 mois. Depuis que les Abinadel prennent des décisions, la machine est fermée avec toutes les marchandises. Donc, après, il y a un peu de marchandises qui sont gâtées là. Et ça fait que nous ne pouvons pas quitter les net
nous créer un espace pour dans bord droit dans là côté que la douane avec autorité toute marchandise qui gâte yo toute marchandise qui ca bay problème yo n'a brûlé yo et puis ça qui pas ca bay problème y a la douane a récupéré yo pour suite mais ça qui est important c'est de marchandise qui là depuis l'air et frontière était fermée donc c'est ça qui fait que nous prenons toute décision avec n'importe monde qui pourra décider qui pourra profiter occasion pour aller acheter marchandise n'a tout kembe là parce que nous pas accepter moun à l'acheter sous prétexte de chercher je vais piloter Genda est-ce que l'autorité a essayé d'accompagner oui gain son bagage qui bien discuté ou pour que bon marché a c'est là au passé dans parce que le marché frontalier pas nous et gagnon agent qui l'a cap enregistrer chauffeur yo prendre numéro plaque machine yo prendre nom yo et c'est avec tout permis tout bagage légal que yo gain et immédiatement que yo ba agent li agent ba au traverser et si gagnon moun qui profite occasion qui allait on pense que le cas même prend prison parce que nous t'es bien entendre nous sur question ça ou après que moun ça arrivé prend prison. Vous parlez de marché frontalier wana met la plus haïtien. Marché frontalier wana met là son marché que nous t'es ouvert déjà. Mais le fait que les gont proximité avec pont et marché d'Abonna autorité locale yo nous font petit camper sous lui parce que pour moun yo pas profiter. Et vinn pote boue pour entrer Saint-Domingue parce que nous dit nous pas ouvrir tout autant que pas gon chita de pays yo pour ensemble des revendications que nous même nous gain pour dignité nous passer et pour marchandises haïtien qui voulait dans marché binational haïtien nous pas ici c'est ça me sont parler ensemble avec consul là qu'on y a là nous même t'a parler ensemble avec là consul haïtien qui gain dans banque là consul là dit que il voyait dossier en affaires étrangères déjà donc gain une délégation qui va saisir dossier et nous-mêmes comme autorité nous écrit consul là déjà comme autorité locale pour nous dire que faut gagner une action en justice qui tentait contre dominicain qui t'ai fait esprit et après au fin piller marchandises commerçants yo mettait difé rappelez-vous non pas c'est destiné au celit c'est magistrat ou bien maire et assesseur commune Wanamet à nous en face marché frontalier de Wanamet. Eh bien, on a regardé là, c'est valet marchandises, spécialement cocoyer que autorité locale a saisi. On a parlé de autorité douanière et dans tête collée avec la police AC et vice délégué départemental là qui saisit eh bien tout cocoyer ça qui t'a sorti sur territoire pays voisin. Donc nous en pile cocoyer sèche, yo saisi là dans petit bas de bouche nous souhaite gagner ensemble avec maire adjoint département nord-est là il fait connait que yo pral et bien et brûlé et coco ici là yo que yo saisi on va dire c'est vraiment pile sac rempli de cocoyer qui à terre et que yo tape sorti en République dominicaine ensemble avec yo jeudi samedi 4 novembre 2023 nous connait yo bay accès pour que et bien haïtien qui te gain machine en République dominicaine entrer pour yo aller récupérer yo et bien et groupe moun si la yo qui profite yo même pour yo et sorti ensemble avec marchandise sa yo noue pour yo te capable vin vendre sous territoire et pays d'Haïti. C'est vraiment plusieurs et dizaines de sacs coco et sèches qui a été en là n'a regardé donc yo déjà saisi yo et te gen yo ta plus alors yo ta plus mais gen un paquet l'autre que yo pas de ba yo accès yo te mandé yo pour yo retourner avant yo même yo pile territoire pays voisin donc et moun ki tap conduit bouret yo té obligé casser tête tourner yo retou yo aller dans panyol ensemble avec kokoye l'autre kokoye c'est là mais assurément yo tap vraiment plus que ça n'a gardé à terre c'est le fait que yo té quitté alerte l'autre jour on y a l'air ouais ça yo obligé retourner côté yo té sorti zami internet donc c'est comme ça et bien ça et sous territoire pays d'Haïti à dans Wanamet zambi internet pour journée samedi 4 novembre 2023. N'a regardé encore et c'est plusieurs bourrettes cocoyer cap quitter pays voisin dans moment. Yo en pile vraiment bourrettes rempli de sacs cocoyer internet n'a regardé. Bueno.
Let's go.